Mesdames, mademoiselles et messieurs, gros bonjour et bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur TV La Caille. Jeudi, c'est lundi 26 avril 2021. Nous comptons entrer la caille chaque grand abonné, amis, compatriotes, famille et peu partout, quel que soit côté où est. Dans bon ça, et bien, c'est avec un pile plaisir, nous rejoignons matin là pour nous porter toute première vidéo nous pour vous. Dans ville Saint-Marc, je ne te connais hier, DGPNH Léon Charles passé un mauvais moment en bas, mais et quelques militants en bas, mais quelques opposants dans ville Saint-Marc, et bien, côté de Gomes qui t'a chanté, et bien, DGA était présent, et pour porter Chipol avec donc prêtre catholique, et bien, c'est la population t'a pral, le Charles Barré derrière Léon Charles. Et puis, dans ville Jacmel, gagné. Le jeune garçon de 19 l'année, selon sa information fait qu'on est, eh bien, qui population a acquisé de voler moto, écoutez la police débarqué, arrêté jeune garçon ça, eh bien, population a atterri donc dans le commissariat ça, et eh bien, gros pression avec divers policiers qui étaient là, et yo entré, yo prend jeune garçon 19 l'année ça, et yo lapidé, massacré, tout yel, eh bien, donc nous allons éviter les détails, et puis, gain donc je nous dis là Léon Charles qui lui même passé un mauvais moment en bas mais Moun Saint-Marc et puis gain un jeune demoiselle qui portait nom donc qui portait nom et Marlene Flora Norestan et bien côté bandit kidnappé et selon sa information fait qu'on est yo ta ka joine et bien Gerline lui même Marlene lui même dit ta ka mouri et selon sa information fait qu'on est dans zone l'hôpital Petit Frère et Cher dans la commune Taba. Mesdames et messieurs, nous allons inviter tout le détail ça. Pas oublier, restez connecté sous et vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater rien dans sa dire. Si vous êtes nouveau sur le canal, vous pouvez abonner avec nous. Pas hésiter à faire ça, guys. Si vous avez moyen, aidez nous et comme ça, vous même tout, vous toujours rester informé. Nous allons parler de Jacques Mel, puisque nous allons prendre un individu, la population lapidée hier soir. Eli Laveus, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Bob, bonjour Pierre-Inel, Galvez, auditrice à côté radio, Caraïbe. Là, nous, dans la station, Jacques Mel, dans le niveau bassin carrément, parce que c'est important, soit la mairie ou bien le monde qui a bonne volonté pour que l'image ça ne pas arrêter, puisque c'est vrai, autorité judiciaire, la police déjà levé le cadavre là. Non, cadavre là par terre, mais. Le fait que il y a la pluie tombée et en pile sang qui, par rapport à l'individu Mouya, eh bien, sans yo, il y a un élève qui a été bon, il y a sauté sous lit et là, nous constatons qu'il y a un caoutchouc, un roi. Il y a été servi pour tuer un jeune garçon, ça. Son jeune garçon, environ 18 l'année, et selon un source dans la police, nous joignons, c'est un jeune garçon, yo, et la même population à Kembil, il y a mené l'antiposmasse caïman. Et en attendant, l'antipost là, il y aurait les dans le commissariat ville là pour être capable de ma cop. Et à eux-mêmes, le fait qu'on pas de arrivé vers nous, vers soir, eh bien, mon population qui fâché, ils ont rentré, ils ont baillé les policiers qui étaient dans l'antipost là à pression, ils ont pris un garçon là et dans l'estation là, ils ont tout eu. Et actuellement là, en pile sort. Et nous disons, c'est important parce que l'élève a pas perdu le monde qui vient et il n'y a pas tellement coachum. Alors on dit, jeune garçon, et dans l'entourage, il y a des gens qui acquittent comme monde qui a volé moto. Mais cependant, la police n'a pas gagné information, c'est effectivement volé moto puisque il n'y a pas venu avec moto avec lui, mais il est venu à jeune garçon, remettre la police, mais pas la suite. Mon population, il y a un collègue, il rentre, il prend l'antipose là, et il y a tout yel, il y a un petit garçon qui était là, qui est panique, hier soir, aux environs 9h, il est venu avec un garçon, mais c'est vers les 10h, il y a lapidé dans la station Jacques Mel. Mais qui peut nous dire, information toujours dans la ville là, il y a la justice dans la ville Jacques Mel qui prend engagement pour être capable de combattre le phénomène volontaire dans le département sud-est. Côté, et presque chaque jour, si dans la ville Jacques Mel, il y a. Après, j'ai frappé yon la clotte, j'ai toute qualité, participant et râlé, parce qu'il a causé un pile monde victime. D'après chef paquet Jacques Mela, qui était maître Lionel Jérima, qui précisait, risquons le théâtre, il a donné notaire, apporté, accepté autorité judiciaire. Chef Concitral, il a encouragé tout citoyen victime, action réseau volontaire, pour être capable de porter plainte dans le tribunal des compétences pour ça, pour être capable de faciliter des sanctions qui prennent contre tout le monde qui est dans le réseau volontaire.
commissaire gouvernement Jacques Mel là, il fait ensemble des caractères ça y est, c'est tout de suite après un groupe citoyen dans la zone Saint-Cyr Jacques Mel qui finit organisé un mouvement, protestation pour dénoncer et Vos Lama qui ont dit et qui était accompagné à un groupe négamé qui t'a signé la terre et pour être capable de débattre avec un papier d'après eux et puis un jugement qui fabriqué pour t'as capté des filles en pile famille qui vivent dans une portion de terre depuis 40 années dans la zone Saint-Cyr. Chef Fakta qui dit, l'étendait avec bien. Attention, revendication groupe citoyen, rappelez, paquet Jacques Mel était déjà détenu, il y a un mandat pour marrer, mener Vini et Vos Lama, et puis détruire le dossier devant le cabinet d'institution. Chef Foucault a dit, il se dit, aucun suivi par jamais fait dans le dossier ça pour capable remédier la situation. Toutefois, chef Fakta, M. Dounel Chengman, il déclarait, la police Jacques Mel recevra l'ordre pour capable sécuriser tout banlieue. Qui gagne autour de Ville Jacques Mel dans l'occasion fête patronale Ville Jacques Mel Cap gagne pour célébrer 1er mai 2021 Cap Vini dans ce pays d'Haïti. Oui. Merci un peu, Lélie Loveyus, Jacques Mel Cap 1er mai Cap Vini là, mais nous apprenons gagne citoyen sur route Jacques Mel là qui a même apparu pour bloquer route là jeudi 29 avril Cap Vini là parce que ça fait longtemps. Hein? Ministre Travaux Publics, là, t'es au rendez-vous pour commencer à travailler sur route là. Donc, il n'y a pas qu'à attendre encore. Donc, il a bloqué là jeudi 29. Donc, fait Jacques Mel là, risqué. Mon risqué pas qu'à la dalle. Si pas gagné, rien qui fait. Puisque citoyen a annoncé à bloquer route Jacques Mel là. Eli, où t'as pas ajouté? Allô? Et faut que nous disions route de l'amitié qui vient route des grands ennemis. Parce que il y a un peu de monde qui dit que des fait la brigue du soir, des vous quitter Saint-Étienne ou Cal Jacques Mel, c'est pour malheur. Oui, parce que nèg avec gros âme en temps nous en bas mon karaté avant arriver et en bas mon nan sur toute route là en situation tête chargée cap développer sur route de l'amitié ou de Jacques Mel dans dernier jour ça. Situation vraiment compliquée et c'est confirmé avec un collègue étudiante UNDH qui dit que effectivement et Flora Marlene, Néristan, qui est ensemble avec yo et dans l'hôpital là, jeudi, au contraire, elle est sortie ensemble avec lui, et elle te dit la prise de ménage, elle est venue chercher. Okay. Et le relé, d'habitude, il y a un dialogue yo, dans la soirée, relé par joint, relé ce téléphone de ménage là, mais elle a dit qu'elle est chercher, Gary dit qu'elle est chercher, puis pas elle. Et après, le Gary là, il n'y a pas qu'à foutre, jeune Gary. Soit tant de radio, pas capable de tant de tout, tant de ça qui passe. Tant de ménage là mourir, il y a un cadavre là, il y a un moglier, on monte toute famille, on est là, quand il y a une semaine. Donc, il y a un cadavre à plaider, perdit, à plaider, il y a un console, monter, il passer un coup de fil, mais donc nous relayons, ou pas prendre téléphone, Gary, prendre téléphone là pour expliquer ça qui passe. Oui. Parce que, bah, elle a quitté un grand mais, dans la bouche, population, hein, famille, hein, et camarade étudiante même Jacques Lee, qui est inconsolable. Université à tête en bas, avec nouvelle l'amour, Flora, Marlene, Nerista. Nouvelle qui vraiment pas bon pour démarrer une nouvelle semaine après un week-end kidnapping sur la région métropolitaine. Environ 15 jours depuis ont été enlevés, 6 otages chrétiens catholiques, parmi les 2 citoyens français toujours, mais toujours bandit, 400 marozo qui a opéré dans la commune Croix-des-Bouquets. Après appelé bandit, ont été libérés 3 sous 9 otages. L'église catholique, ça a quelques jours, 3 otages, ça y est, c'est Père Hugues Baptiste Lovely, Joseph et sœur Anne-Marie d'Ortelus. Entre-temps, la police démentit vendredi à information qui est à fait quoi chef base 400 marozo qui relaient yon ta libéré dans échange avec 3 fidèles catholiques. C'est dans le contexte ça, Monseigneur Yves-Marie Payan dénoncé phénomène kidnapping qui frappait tout secteur. Évêque Gonaïve là, mandé kilo, bagay ça a fini, kidnapping tourné yon commerce dans le pays. D'après Monseigneur Yves-Marie Payan qui t'a célébré la messe dans l'occasion 326e anniversaire Ville Saint-Marc dimanche 25 avril. Et de l'autre côté, Monseigneur Payan encouragé acteurs politiques yo dialoguer pour ce type pays à une crise politique vivre depuis plusieurs années. Au banquet de la parole, au banquet de l'Eucharistie. C'est pour cela que nous sommes là et je voudrais vous en féliciter. Frères et sœurs, dans le Christ, cette année encore,
Nous célébrons la fête de Saint-Marc, notre Saint-Patron, dans un contexte particulièrement dramatique et très préoccupant pour nous tous, et particulièrement pour l'Église. Un contexte fait d'insécurité, de kidnapping, de violence, de peur, de stress et d'inquiétude. En effet, comme vous le savez bien, nous sommes profondément affectés et nous exprimons notre douleur et notre désarroi face à l'aggravation de la situation dans le pays qui s'enfonce chaque jour davantage dans la violence, la misère et l'insalubrité. Nous continuons à faire face à un véritable empoisonnement de notre vie sociale par une prolifération des actes de kidnapping, de banditisme, de viol, d'assassinat et de barbarie qui sèment la terreur, la mort, le deuil, poussant beaucoup de gens à abandonner leur demeure. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Depuis Saint-Marc, dit non, Nixon, comment ça a passé, puisque il y a une information qu'on partage avec nous, qui vient pour avec la cérémonie qui t'a faite dans l'occasion, ça, qui était perturbé avec des militants politiques qui ont même pas d'accord présence, directeur général pour l'Islam, dans la cérémonie. Bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Bossé, bonjour Pierre Renel. Donc nous saluons tous les amis radio Caraïbes FM. Effectivement, je vais souligner là, c'est Dissel. Et hier, qui marquait 326 l'année fondation de la ville de Saint-Marc, donc c'est mon messe qui t'a chanté, eh bien, dans la paroisse Saint-Marc, c'est mon frère Yves-Marie Payan, donc c'est lui-même qui était célébrant principal là. Mais faut dire que le messe là qui était programmé à 10h, eh bien, toutes les préparatifs sont faites, puisque tu es invité, tu es fidèle à l'église catholique qui a même téléphone présent. Et directeur général PNH là, qui c'est Léon Charles, qui c'est originaire de la commune de Saint-Marc, donc qui se situe dans la section Bocozel, zone Bouchot, et bien il vient assister à la cérémonie ça. Maintenant, lorsque le directeur général est arrivé, il était allé d'abord dans le presbytère, et par la suite la presse a essayé de parler avec lui. Et nous avons posé la question tout, en fait après la question kidnapping, mais il faut dire que le directeur général là, il n'a pas répondu du tout, tout simplement il dit bonne fête et c'est mal. Maintenant, le directeur général là, pas mal. Rentrer dans l'église là, et bien c'est là que militants politiques ont même quitté massé devant l'entrée porte principale et l'église catholique Saint-Marc là. Donc ils ont crié à bas, et les contre le directeur général là, présence du directeur général là. Donc ils n'ont pas d'accord pour le directeur général là qui vient participer dans le message, puisqu'il y a une libération, et bien plusieurs religieux jusqu'à présent nous connaissons qui nommaient base 400 Maozoyo, et bien militants ont relé à bas contre le directeur général. Maintenant, le directeur général là, malgré tout, il était rentré dans le là et militaire, il y a même qui continué à chauffer et finalement il est rentré dans l'église catholique là. Mais il faut dire que le là c'est des 10h20 comme ça, donc jusqu'à présent le n'a pas capable de commencer. On était dans pile bruit tout à fait. Finalement, il y a un commissaire principal, juridiction Saint-Marc, qui est Ronald Pierre, ensemble avec plusieurs fidèles qui devaient parler avec militaire pour voir comment il était capable de quitter Metz-là, lui démarrer. Et finalement, il était accepté à quitter Metz-là, Paris, et commencer. Et c'est par la suite que Calguier, c'est les Braillots qui pourraient rentrer, mais directeur général à PNH, qui c'est Léon Charles, monsieur est là, mais par la suite que, en plus, journaliste qui vient pas chercher au côté de Léon Charles passé, donc, personne ne pas connaît qui côté est passé, mais tout simplement, quelqu'un qui était essayé de voir ça, donc il s'était déplacé comme si son monde qui avait besoin en physiologique, et en plus, la journaliste qui était crié, qui a cherché sa partie de l'OA, et c'est par la suite qu'une la peine, détergé là, c'est obligé à quitter Metz-là, puisque Metz-là qui est déjà commencé, donc lui-même qui était là, mais qui n'a pas fini d'assister Metz-là. Voilà, en gros, ce contact qui est capable de décrire la situation qui était passée dans l'église, elle est paroissiale, avec présence Léon Charles, côté militaire, il a même demandé à ce que pour monsieur quitte ce pas-là, puisque monsieur Padli, selon ça, il dit, donc pour la vie participer dans Metz-là, tout autant que libération et religieux à religieuse, l'église catholique, qui jusqu'à présent nommait bandit Castamarozo.
Voilà. Merci un peu, Nixon Demeyus, qui s'est correspondant permanent dans la ville Saint-Marc.